Oui, allô, ben, c'est votre DJ Plus de Londres, le chouchou de tout le temps. Ben, 2018, je suis de retour, voilà. Ben, je fais cette vidéo-là parce qu'il y a des vidéos qui... Voilà, donc, Et vous avez donc, tous ce vu qui cette m'a vidéo, surpris, que le docteur, donc, il a dit à la famille, voilà, votre amie Sophie, en fait, elle a le sida. voilà, Mais quel le est le rapport avec docteur les a dit enfants? à la C'est famille quoi? que Sophie a Donc, le sida. l'investigation continue. Voilà. Ils se sont dit, OK, ce qu'on va faire, on va contacter maintenant Sophie pour qu'elle vienne. Bon, ok, moi, je pense que cette vidéo-là, vous avez tous Ça fait vu peur. la vidéo. Ben, c'est une femme qui est en train de dire, il y a une autre femme, une Congolaise, qui a injecté le sida aux enfants d'autrui parce qu'elle, elle était jalouse, elle était envieuse. Voilà, donc tout ça, pour ça, elle a fait la vidéo. Donc, moi, je fais cette vidéo pour dire à cette femme-là que son histoire-là, c'est une histoire fabriquée. Voilà, je pense qu'elle voulait se faire connaître, elle veut apparaître, hein, elle veut faire publicité de son tissage pour montrer qu'elle a les jolis tissages, elle veut voilà, elle veut une célébrité sur les réseaux sociaux, donc il fallait trouver une histoire pour endormir les Africains, parce que eux, pour les endormir, vraiment, c'est facile. Donc elle a pris une histoire, voilà, des enfants, des sida, quoi, beaucoup sensibles, pour faire endormir. T'as dit, ton histoire là, si les autres là, ils te croient, moi, je ne te crois pas, parce que c'est endormi. Toi-même, tu dis bien, le docteur, il a appelé la famille pour dire, Sophie a le sida. Ah, t'as dit, depuis quand, même depuis quand un docteur va avoir le culot d'appeler une famille pour annoncer qu'une autre personne a le sida? Depuis quand? Depuis quand? Sida là, c'est intime. Toi avec le docteur. Donc ton histoire que tu racontes là, c'est bidon. C'est fabriqué. Moi, je ne crois pas. Dis que tu as fait faire publicité de ton tissage, de tes maquillages. Tu as montré que tu as les boucles d'oreilles. Tu as montré que ton salon, il y a rideau. Là, je suis d'accord. Mais ton histoire que tu as dit là, non. Et puis tu as dit quoi? Qu'une Congolaise, que les femmes sont mauvaises en Europe ici? Non. Les femmes sont mauvaises dans trois choses en Europe ici. Elles ont l'habitude de chasser leurs maris. Elles ont l'habitude de chasser les gars dans le froid. Il fait froid. Voilà. Ça, c'est la première catégorie de femmes mauvaises. Elles ont l'habitude de. Tu vas voir deux copines ici. Et ma copine, mon bébé, sans toi, il va mourir. Ça, c'est ma meilleure copine. Mais en réalité, il y a une qui baise avec le mari de l'autre en cachette. Voilà. Ça, c'est une mauvaise aussi. Et pour trouver une autre mauvaise. Ça, c'est les femmes qui font tontine. On cotise pour toi, et puis toi, à la fin, tu ne veux pas cotiser pour les autres. Ça, c'est la troisième catégorie des femmes mauvaises. Mais femme, tu vas prendre son sida, aller contaminer enfant d'autrui, parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle est envieuse, tantis. Là, tu as frappé fort. Tu as frappé fort même, tu as frappé fort. Non, non, non. Ton histoire même, c'est à décoller. Eh, niawa, moi, ça ne me prend même pas même. Hi, quand même, quand même. Depuis quand un docteur peut annoncer sida de quelqu'un en public? Depuis quand? Tandis, il faut te revoir. Je n'ai pas trop rendu ma vidéo là long, mais c'est pour dire aussi aux gens que voilà, je suis de retour du Brésil de London. Donc tous ceux qui vont venir mentir sur les réseaux sociaux là, moi là, vous allez me trouver sur vos chemins. Tandis, histoire que tu as fabriquée là, c'est faux. Voilà. Moi je dis c'est faux. Voilà. Maintenant. Il faut démontrer que c'est vrai parce que moi, même si on dit femme est mauvaise, comment, mais on ne peut pas trouver femme qui apprend son sida à aller contaminer enfant d'autrui parce qu'elle est jalouse. Hein? C'est garçon qui est fini dans la vie, quoi. Donc, dans la vie, là, il n'y a plus garçon. Hein? Garçon que tu es femme, là, hein? Il te veut pas, donc c'est fini. Donc, pour ça, tu apprends ça, aller faire du mal aux enfants d'autrui en leur donnant le sida. Et puis, qui t'a dit que sida là même là, quelqu'un qui a sida, il donne la personne à sida. Il y a une différence entre avoir le sida et être séropositif. Donc, il y a trop de contradictions dans ce que tu dis là. Je n'ai pas trop allé loin parce que c'est pas une vidéo même que je voulais faire. Mais seulement, je vais te dire, si tu veux être célèbre, enlève les enfants dedans. Toi-même, faut parler ton histoire. Toi-même, faut laisser les enfants à côté. Parce que histoire là, c'est faux. Voilà. Donc, il faut te trucs. Faut chercher un autre truc. Tu as parlé. Faut laisser les enfants là-dedans. Histoire fabriquée comme ça. Depuis quand un docteur va l'annoncer, c'est la positivité de quelqu'un en public. Et.
Nyawa, tu m'as détendu. Je fais big up à Alino, le Congolais, depuis London. Voilà, c'est Dieu Bruxelles de London. Je suis de retour. Vous allez me sentir. J'arrive.